Planète Rap. Planète Rap. Un petit mot aussi, parce que c'est vrai qu'il y a eu Banlieue Sale, aussi le projet Banlieue Sale. Team BS. Bien sûr. Est-ce que t'as des regrets aussi? Parce que j'ai vu Cindy qui s'exprimait en disant oui, il m'a pas appelé. J'ai aucun regret sur Team BS, parce que Team BS, ça m'a permis aussi de passer un palier. Tu vois, j'ai été joué sur des radios où je n'avais jamais été joué auparavant. J'ai réussi à passer un palier artistiquement et puis aussi même financièrement avec Team BS. Donc il y a pas de problème là-dessus. Cindy, je sais pas. Tu sais, j'ai vu sa vidéo. Tu sais, moi, depuis le début de ma carrière, j'essaie de donner de la force à des artistes qui n'ont pas spécialement la lumière. J'essaie de faire en sorte qu'ils aient une exposition qu'ils n'auraient jamais eue. Ensuite, certains saisissent leur chance, certains la saisissent pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est la balle est dans leur camp. Il faut travailler, fournir les efforts. Moi, ça vient d'un bon sentiment. Tu vois, toute chaque personne à qui j'ai tendu la main durant ma carrière, ça a toujours été dans le bon sens, sans jamais faire de calcul, sans jamais penser à si je pouvais gagner sur cet artiste. Non, je l'ai toujours fait avec le cœur, comme je l'ai fait avec elle. Et puis, elle l'a pas compris, tant pis pour elle. Bon, on la salue quand même. C'est de bonne chance pour la suite. Arrête de faire le Gandhi, Fred. T'es Fred de Sky, t'es pas Gandhi. Mais si, attends, moi j'ai envie à un moment. J'aimerais un moment. Non mais attends, parce que quand on fait un parallèle. La première fois que tu l'as écouté, c'était chez Gandhi. Non mais honnêtement, voilà, après. Non, bon, mais on va pas. On peut pas aimer tout le monde. Je comprends ce que tu veux dire et y a pas de problème. Moi je me dis que dans la vie, il y a tellement d'autres problèmes en fait. Mais exactement. Et que parfois, on focalise sur des trucs. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Les lui a clashé lui. Quelque part, on s'en fout. Parce que les gens, au quotidien, ils ont d'autres problèmes. Bah, écoute, et ils veulent de la musique pour s'étendre la tête. C'est pour ça que le problème, le CD, le CDCC qui arrive vendredi dans les bacs, il y a de tout ça dedans. Tu vois, il y a du bon Lafouine, il y a des sons un peu plus calmes avec un réel message, il y a des sons plus rentre dedans pour s'enjailler. Il y a vraiment de tout. Je pense que c'est vraiment un disque qu'il faut écouter les jours qui arrivent. Il arrive vendredi, c'est de la frappe. Salut, pour rien louper de ce qui se passe dans les studios de Skyrock, va t'abonner à la chaîne. À tout de suite. Planète Rap.